Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo sur YouTube ou les réseaux sociaux. Une vidéo qui sera axée sur le travail de la grosse caisse. Ensemble, nous allons développer sa précision et sa coordination avec les mains. Alors pour cela, j'ai un exercice qui est très simple mais assez efficace, qui consiste à jouer un schéma de 4 doubles croches sur sa caisse claire. 1, 2, 3, 4. Et d'accentuer une de ces doubles croches avec la grosse caisse. Nous allons donc commencer par la première double croche. Main droite si vous êtes droitier, main gauche si vous êtes gaucher. Ensuite, nous allons passer à la deuxième double croche, donc main gauche si vous êtes droitier, main droite si vous êtes gaucher. Vous avez compris le principe, on passe à la troisième double croche. Et enfin, la quatrième. Donc pour le début, allez-y vraiment lentement. Prenez bien votre temps à faire tourner chaque élément. Je le répète, c'est un exercice de précision. Donc il est très important que vous vous écoutiez bien jouer et que vous essayiez de bien ressentir l'impact que fait la baguette sur la peau de caisse claire et la batte sur la peau de grosse caisse. Il faut vraiment que ce soit à l'unisson. Une fois que vous êtes à peu près à l'aise avec les différents schémas, là vous allez pouvoir commencer à les enchaîner et à accélérer. Sur le même principe que l'exercice précédent, nous allons donc maintenant passer au double coup de grosse caisse. Donc pour cela, nous allons accentuer la première et deuxième double croche, ensuite la deuxième et troisième, troisième, quatrième, et enfin la quatrième et première double croche. Allez, je vous enchaîne tout ça et j'accélère petit à petit. Alors le but des deux exercices que l'on vient de voir, c'est d'adapter ce travail de grosse caisse à des rythmes. Donc pour cela, nous allons prendre un rythme de base, 4 temps, binaire, charlé en croche, comme par exemple poum, tch, ta, tch, 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 ta, tch, et d'y adapter ces 8 différents accents que nous avons vus précédemment, ce qui va donc nous donner 8 rythmes différents.
Et tant qu'on y est, on peut composer aussi soi-même son propre rythme. Par exemple, vous pouvez vous dire, bah là, tiens, je vais commencer par une grosse caisse, après j'enverrai une directement avant la caisse claire, une autre directement après, là j'enverrai bien deux d'un coup, une autre sous la charlet, et c'est parti, vous essayez. Alors je le répète, mais allez-y lentement, prenez votre temps. Je sais qu'on a tous envie d'accélérer, d'aller le plus vite possible, mais la vitesse est un processus complètement logique et incontournable dans votre progression. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez répéter les gestes, plus vous allez accélérer. La vitesse viendra toute seule, elle vient quand elle doit venir. Et c'est justement l'intérêt de cet exercice, c'est que vous allez garder cette même propreté, ce même contrôle, cette précision que vous avez lentement, des tempos de plus en plus rapides. Merci d'avoir regardé cette vidéo, travaillez bien et à bientôt.